Plop les gens, c'est Ikino de retour sur Graveyard Keeper. Du coup, on avait pas mal avancé là, dans les deux derniers épisodes. L'astrologue, il faudra le revoir la prochaine fois. C'est dommage que ce soit pas noté. L'inquisiteur, je crois qu'il n'y a rien avec lui. Il faut vraiment que je lui fasse de la bière de haute qualité. Serpent, donc là, il faut aller au sous-sol, tout ça. Mademoiselle Charme, faut attendre l'astrologue. Et c'est tout. De mémoire, c'est tout. Voilà. Du coup, on va aller dans les technologies. Vu qu'on doit se battre au sous-sol, j'hésite un peu, parce que là, c'est maître épéiste. Vous savez vous servir de votre lame. Vous infligez plus de dégâts et vous savez adopter de bonnes postures pour avoir l'air cool avec une épée. Donc c'est cool. Mais si c'est juste avoir des postures et que ce soit cool, c'est bof. Alors que là, c'est garanti, on fait 1 de dégâts en plus et je crois que 1 de dégâts, c'est plus ou moins ce qui me manque des fois. Donc je suis un peu... Voilà, je sais pas trop. En plus, il y a la prière protection et châtiment que je pourrais prendre, donc... Enfin, faire. Je crois que j'aurai la flemme de faire les prières. Je me connais. On va tenter le kitoudoul. On va passer directement maître épéiste. Je suppose que si on... qu'il n'y aura pas plus de boutons de combat. Mais que... Mais que du coup, on aura plus de dégâts, quoi. Voilà. Et jour de la femme. Donc l'astrologue, c'est dans la moitié de la semaine. T'inquiète, pas grand-chose. Et je... Si je dis pas de bêtises, on va quand même regarder où ils en sont. Et si je dis pas de bêtises, j'étais prêt à aller au sous-sol. Faut que je pose évidemment ce que j'ai en rap sur moi, mais. Vas-y, refabrique-moi plus de 800 clous. Voilà. Juste pour que je sois sûr que... Que tu t'arrêtes pas de bosser. Oh. Sympa. Je vais devoir bosser juste pour mettre les caisses sur le... aux bons endroits, mais c'est pas grave. Non, il va falloir aller sous le sous-sol 10, et de ce que j'ai compris, même si on n'a pas été très bien expliqué, même si ça n'a pas été très bien expliqué, c'est ça qu'il me faut. Médaillon du chasseur, et je voulais poser la pierre de fouille. Parce qu'on sait qu'on peut pas l'utiliser dans le sous-sol. Et j'ai des PV, j'ai de l'énergie. Faudra que je commence par la baie. Pour me libérer un espace. Tac, tac. Yup. Alors, on passe par ici. C'était à droite. Et là, ah non, j'allais dire là en bas. Là, il y a bien le portail. Je vais quand même vérifier. En bas, je crois que j'y suis retourné, mais là, je suis pas certain. Donc, on va juste vérifier rapidement. Donc, ici, c'est fait. Tant que je n'ai pas tout fait, évidemment, je continue ce niveau. Ok, donc j'avais tout fait. Ça nous a
pas fait perdre trop de temps. Alors, voilà, juste ouvrir quoi. Et ça, je le garde. Alors, pas grand chose. Un golem de pierre. Ok, de la poudre d'ordre et du graphite. Autant la poudre... Oh oui, maintenant je one-shot les ennemis si je réussis à les viser. Enfin les petits ennemis évidemment. Hop, on va passer par là. Tes souhaits. Derrière. Hop là. Elle est où la deuxième chauve-souris? Voilà, deux coups. Bon alors c'est très bien, ça nous... Pff, on a déjà plus d'espace. Consommer ça. Les chauves-souris normalement. Voilà. Allez. Tente le tout pour le tout. Graines de betterave. On s'en fiche. C'est des graines de blé. C'est à peine plus utile, mais un peu. Ça c'est con par contre. Ça c'est dommage. Bon. C'est pas grave non plus. Tout ça et on va continuer là les ailes de chauve-souris ici les blobs et les poudres ça là-haut ça là-haut ça à droite et tout ça là-haut. Et le médaillon, je peux le reposer d'ailleurs. C'était pas là, enfin il y en a plus là plutôt. Ici. En vrai, j'avais acheté plein de pierres aiguisées, puis pas utilisé autant que je ne le pensais. Bon, c'est aussi grâce aux zombies. Si ça se trouve, entre temps, elles ont augmenté de prix. Non, là. Le graphite, il y en avait là, je crois. Je ne sais plus. Non. Lui, il va vraiment à de l'heure.
vais passer directement là. Salut Lily Lira. Alors, on pose ça. Ça, c'est du blé, oui. Et on y retourne. C'est un peu dangereux avec mes PVM. C'est un poil dangereux avec mes PV quand même. Mais ça devrait le faire. Juste regarder avec le marchand. Je peux peut-être passer par là d'ailleurs. Ah, lui va juste vouloir commercer. Ah oui, je peux lui vendre le vin de haute qualité. Ouais, on va faire ça. Ça me donnait combien? 30 et 114. Ouais, ça me donne plus d'énergie, mais c'est surtout les PV qui me gênent en ce moment. Tac, c'est bon. Je peux lui vendre ça, mais c'est vraiment pas cher. Et je vais peut-être en avoir besoin. Là, normalement, j'ai rien. Enfin, pas grand chose qui m'intéresse, quoi. C'était 20 ou 30 là-haut? Parce que j'ai remarqué que j'avais 20 avec lui. 30, ok. Après, comment avoir plus d'amitié avec lui? Je ne sais pas. Bon, bah, je passe par là. Il a plus de stock de fer. Ça j'aurais pu le faire tout à l'heure. Oui. Comment les caisses se font pousser? Elle apparaît au milieu. Et se font pousser en haut en bas quoi. C'est pas elle apparaît collée à la paroi. Alors, niveau 11. Il y a beaucoup de nouveaux ennemis en bas. Vu que là on vient d'avoir le golem. Il y a déjà le crasher de 3 boules de noir là. Qu'on a eu il y a pas si longtemps. J'ai déjà plus de place. Ça m'étonnait quand même. C'est quand même mieux de pouvoir one-shot les petits. Du coup, je me dis, il faudrait presque que... Il
faudrait presque que je... Que je fasse juste la prière de protection pour avoir des PV ou... Attends, je l'ai pas fait d'ailleurs. C'est pas ça que j'ai pris, j'ai pris le... Oui, j'ai pris maître épéiste, j'ai pas pris art martiaux. Enfin, tant pis. Voilà, ces ennemis là, ils sont déjà tout neufs. Plus masse de PV, on va la jouer safe. Zut. Pour la peine, je suis juste... Non, je peux pas les mettre. M'infliger ça. Oh là là. La mort. C'est dommage. Du coup, j'ai quand même des trucs à poser au sous-sol. Par contre, je réapparais full life. Ça, c'est en haut. Toutes les poutres sont ici. Là, je l'ai aussi. En haut, à droite. En haut. En haut, en haut. Ok. Tout le reste est en haut. J'ai juste plus de lingots de fer, quoi. Ah, ça c'était à droite. Ça c'est ici aussi. Ça c'est en bas. Ah, déconnexion. Avec mon PC et internet. Pour qu'il se déconnecte comme ça, je sais pas trop ce qu'il a, mais un souci. Alors le jour de serpent, on va voir s'il a quelque chose à nous dire. Non, non, j'ai pas la pomme. Je peux pas apprendre le carnet infini.
si j'avais déjà tout fait. Oui. Oui. Ensuite, ici, je m'en étais... Ça, je l'avais fait. J'avais vu qu'à droite, il y avait un double passage. Du coup, j'étais allé ici. Et là, il me restait genre deux mouches qui pètent, là. Ah non. Deux chauves-souris. Ok, la... le diamant à facette. Les... Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ça faisait 4 diamants. C'est pour ça que j'en avais plein. C'était pas le... C'est pas les zombies qui ont commencé à m'en ramener plein. C'est juste que j'en avais récupéré plein comme ça. Alors, on va commencer par aller en haut. Je sais pas ce qu'il y a depuis... Déplacer bizarrement parce que j'ai été confronté à un ennemi qui m'a repoussé. Je mal codé, mais bon. Accueilli chaleureusement, je vois. Plus de vie déjà, plus d'espace non plus. Oh super. J'ai déjà plus de vie. Deux clous. De clous, c'est rigolo, c'est rigolo, je pense pas que ce soit utile. D'ailleurs, Lilira, c'est bien celle-là, cette poudre-là pour faire le... Pour faire le truc de zombie. Je la reconnais surtout la couleur. Je suis plus couleur que non, c'est pour ça. Et en plus, c'est entre poudre de santé, poudre de vie. Et voilà, mais non, c'est bien la santé vert foncé, quoi. Qu'est-ce que je peux jeter? Oh, les clous, au final, c'est pas si grave. En plus, je ne fais que les stocker au lieu de les... au lieu de les réutiliser. Et c'est déjà barré. Ok. J'avais tout fait. Ah, le zombie juste en bas qui va enfin finir un autre bouquin. D'ailleurs, les gelées, je les ai pas testés, je crois, les gelées noires là. Gelées noires. Déjà cette couleur. Il y a quoi déjà en vue? C'est pas l'ordre, ça, c'est. Mort. Ah! Solution et distillation de mort. Ah, c'est marqué là, de toute façon. Attends, je l'ai récupéré? Oui. Ok. Ça, le jour où ça se fera, ça sera bien. Solution de mort, ça m'intéresse. Ça, j'ai pas la place. Ferraille machin. Ça, c'est en haut. Ça, c'est là. En haut, ça veut pas et okay. Bon, on va décomposer les trois oranges que j'ai. Hein. Je sais même plus en quoi ça se décompose, mais rouge c'est toxique, je crois. Ouais.
s'en monte et s'en monte. Et lui, il écrit un bouquin. Faut retrouver le bouquin. Et c'est un troisième vers, évidemment. Évidemment. Donc là, je monte. Je pose. Je regarde d'abord lui si il a eu le temps de ramener beaucoup de caisses. Ok. Il a ramené le maximum qu'il pouvait. J'en ai quelques-unes d'avance pour la suite. D'ailleurs, il faudrait que je récupère mes sous. Je peux peut-être faire des potions de vie pendant que je suis au sous-sol. Je sais plus ce qu'il faut, mais je crois que j'en ai déjà fait une. Potion de soin. C'est quoi? C'est de la poudre de vie et solution de santé. Bon, on va en faire deux. Un peu de miel. Jour de l'homme. Qu'est-ce que... Non, l'inquisiteur, il n'y a rien. C'est juste, faudra lui apporter de la pierre là pour qu'il soit content. De qualité maximale. Et c'est bon. Ça, j'ai pas... Si j'ai relancé, c'est que je voyais pas la tourbe et les asticots. Ah oui, j'avais utilisé toutes mes potions. Ok. Est-ce que je peux faire des trucs un peu jolis dans l'église? Est-ce que là j'ai pas beaucoup? J'ai pas beaucoup de bleu ou quoi? L'embaumement. Ça m'embête d'avoir des. Tout l'alchimie m'embête en fait. Je peux faire l'odeur de la foi, ça peut être sympa. Pas forcément très utile je pense, mais sympa. Brûleur d'encens, brûle encens et de l'encens. Pareil, je pourrais améliorer encore, faire des nouveaux trucs dans le cimetière. Je suis pas très très motivé. Là, je pourrais essayer de faire. Bon, les pelouses je connais. Non, j'ai tout fait en fait. Colombarium de pierre, la station de prière en bois. J'ai tout fait. Je vais stocker quoi ici? Les papiers. Non, les trucs de quête finale. Alors, station d'encens, brûle encens. Il faut 4 briques de pierre polie, 4 pièces de fer simple. Tu sais pas quelle place ça prend, évidemment. Évidemment. Pélipoum. J'en ai que 8. Non, j'ai la flemme de le...
J'ai la flemme d'aller l'étudier, voilà. Tac. Alors l'encens, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour l'encens ou pas? J'ai oublié de prendre les pièces de fer simples. Hein? Ah non, ça c'est du marbre poli. Oh là là. Bon, dans tous les cas, j'ai tout loupé. Puis la statue qui m'oblige à faire un détour maintenant. Voilà, la pierre polie ici. Et ceci. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de vis. Bref. Aller voir l'inquisiteur encore, faudrait que j'aille, que j'y aille. Brûle encens. D'accord. Il veut pas se mettre là, lui. Ah, il prend pile poil la place ici, en fait. Il est plus grand qu'une chandelle. Ici, il prend trop de place. Ok, donc on pourrait mettre de l'encens 1, 2, gauche à droite, et re ici à gauche à droite. On pourrait mettre 4 encens. On va déjà commencer par mettre devant à gauche. On va d'abord tester, hein. Il va falloir faire une bougie d'encens là. Pas trop si c'est un nom spécifique, mais pour voir. Moins un, d'accord. Donc là, je ne peux rien faire. Là, je peux pas passer. Et quand je vais au sous-sol, je vais là. Non. C'est super. Je peux faire de l'encens à partir du désodorisant. Ok. Tac. Je les avais toutes utilisées, les bougies. Non. Si, on dit rien. On dirait. Ce que je peux en faire. J'allais dire une, mais ça se produit par quatre. Là, on va mettre une bougie qui fait que ça passe à plus 2. Et là, on met un encens et lui fait plus 2 à lui tout seul. Donc mettre des encens, ça fait qu'au final, ça sera plus beau. Mais mettre de l'encens, c'est... Ah oui, il y a la barre là-dessus. J'avais jamais fait gaffe. Normal, parce qu'avec la bougie, on l'a pas. Très bien.
Ça fait que l'église peut avoir un maximum plus élevé avec juste de l'encens. Bon, je vais pas le faire tout de suite en tout cas. Parce que le désodorisant, on le fait comment déjà? On le fait. C'est quoi? C'est de l'huile et la solution d'ordre. La solution d'ordre. Qu'est-ce qui fait du vert clair? Je sais plus. C'est ça que j'aurais dû noter. Ah ben là j'ai totalement zappé l'inquisiteur. Tant pis. Du coup. Vu qu'on va aller voir l'astrologue. On prend ça, on prend ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à lui vendre? Pas ici. Je vais devoir rapidement poser ça et ça. Et on va se reposer avant d'aller voir le vieux monsieur, l'astrologue qui est censé avoir donné notre livre à ses pères, qui vont nous dire très certainement que oui, c'est bon. Tu as avancé dans tes recherches, c'est bien. Tu peux venir, tu peux réintégrer la compagnie. Hop là, non, qu'est-ce que j'ai posé? Ça. En plus, je voulais l'utiliser tout de suite. Et là, on va au phare. Je n'ai pas lu votre livre, mais tout le monde à l'université s'est montré très excité. Peut-être un peu trop, ils ont parlé d'une bouffée d'air frais, et maintenant ils voudraient une suite. Nous allons donc devoir en écrire une. En fait, si vous souhaitez écrire quelque chose, je vous l'achèterai avec plaisir. Ok, va me falloir un qualité or. Ça va être compliqué, je sais plus, du coup. Non, il me donne. Je peux lui vendre des livres. Mais je peux pas lui acheter des couvertures mieux. Du coup, ça, les deux. On vend. Ah si, je peux prendre cette couverture-là. Logiquement, j'en ai une. Je vais en racheter une quand même. Deux. Voilà. On va faire comme ça. Et je peux pas me TP chez moi. Par contre, je peux marcher. Récupérer les sous avec le marchand, avec les caisses que j'ai vendues. Et en passage, faire le bouquin et peut-être me re-TP au phare. Je crois que j'ai des plumes. Et ou des stylos et plumes d'avance. Alors,
Rapport de vente, caisse vendue 10, 10 fois 15, égale une pièce d'or et 50 pièces d'argent. Voilà comment on fait de la thune facilement. On met ces non-morts à bosser pour nous. Et on les déplace juste un petit peu d'un poste à l'autre pour en leur disant quoi faire. Alors, un bouquin de qualité or, il veut. Donc, il veut un bouquin. Voilà. Ah ouais, mais j'ai pas de chapitre, d'accord. Du coup, les chapitres... je peux pas... Par contre, si je fais ça... Si je fais ça, j'ai un chapitre de qualité argent. Et avec un chapitre de qualité argent... Ouais, il me faut une reliure en or. Autrement, je peux faire des notes. Je peux faire trois notes en... J'ai plus de stylo et encre. C'est là où on va voir si j'ai bien fait de pas acheter les plumes au passage. Oui. Enfin, non, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non, je vais les mettre à gauche. Ah, j'aurais peut-être pas dû les poser. Ça, je peux pas le poser, d'accord. Du coup... faut un livre en or. Bah, vu que j'ai pas de couverture en or, je suis obligé de d'utiliser mes chapitres en or. Voilà. Donc là, j'ai plus de chapitres, j'ai plus d'histoire en or, mais je vais pouvoir faire. C'est tentant. C'est tentant d'essayer de ne pas gaspiller le dernier, mais c'est risqué. Sachant que là, vu que j'ai pas de livre relié en or, si j'ai en or, c'est 20% quoi. C'est quoi ça déjà? Ça doit être... non. 7 cachets de 6... Meilleur ami, de toute façon j'ai pas 150, donc je peux pas l'avoir. Là, je crois que je peux améliorer un bouquin. Il me faut deux bijoux. Ouais, bah les fragments de bijoux. J'ai pas assez de lingots. De toute façon, je crois que c'est trop tard là. Mais... Ah ouais, même si j'ai les deux... Même si j'ai les deux en or, j'ai pas 100% de chance, quoi. Vu que j'ai pas le talent joaillier. De toute façon là c'est minuit, c'est déjà trop tard. On va poser ça là. On prend ça, on va poser les chapitres, les notes aussi. Non, les notes, j'aurais peut-être je peux quand même. On va éviter. Non, on va éviter de jouer avec le feu. En dehors, avec un os, on peut faire de la poudre blanche. Je sais pas. Attends, la poudre blanche. Non, c'est pas le sel. Ouais, je suppose que c'est la poudre blanche pour faire de l'encre. Je sais pas. Non, je te dis, l'alchimie Lily Lira. L'alchimie, je l'ai pas fait. Pas assez.
Ouais, la peinture blanche pour faire du comment ça s'appelle? Pour faire des pages. Je sais plus où, mais... Ah non, la bougie. D'ailleurs, la bougie blanche, elle est mieux que la bougie normale, je suppose. Vu comment c'est plus compliqué de faire de la peinture blanche que de faire de la corde. Ouais, elle rapporte plus de beauté. Je pose mes notes. Je vais regarder pour faire rapidement. Quoi déjà? Je sais même plus ce que je voulais faire. Tant pis. Rapidement bouger mes zombies. Je crois que c'était ça. Ah oui, lui. Bonjour mon ami. Il a enfin plu à la ville. Cela n'a rien changé, mais maintenant leur foi en moi est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Je vais donc en profiter pour faire des réformes, aider les pauvres et me débarrasser de la cruauté de l'inquisiteur. Mon frère poursuit les mêmes buts. Nous sommes nés dans une famille pauvre. Leurs luttes nous sont très personnelles. Vous êtes un homme bon, après tout, votre sainteté. Ma gentillesse et ma grandeur sont immenses, en vérité. Continuez comme cela et nous ferons de la ville un endroit meilleur. Donc à propos de la cathédrale, retour commercé. D'ailleurs avec lui... J'ai pas pris ça, je voulais lui vendre. Plus ici. Bref. J'ai plus besoin d'avoir autant de foi en fait. Enfin maintenant. Ou plus exactement, vu combien de foi je récolte avec cette prière, je peux. L'utiliser comme si c'était une ressource infinie et que je récupère rapidement quoi, comme des cailloux, comme de la pierre, même pour des sculptures ou ce genre de choses, sans trop me poser de questions. Hop. Non. Entre ça. ...75, c'est pas cher, mais vu que je n'utiliserai plus les qualités basses, ça me va. Bon bah je sais pas du tout où sont passés les papiers qui me permettent d'aller en ville.
mais tant pis. Je vais pas poser la foi, je vais poser la foi. Non, je vais aller en haut. C'est où ça? Carrière. Ok, bah lui il avance. Assez vite. Ce qui m'étonne, mais. Bon, apparemment c'est le cas. On va pour une fois en profiter pour prendre le miel au passage. Ça fait un bout de temps que j'ai pas pris de miel. J'ai pas embêté des abeilles. Cette ruche que j'avais totalement oublié la dernière fois quand j'ai re-exploré en haut à droite. Alors, Diana pas. C'est pas comme si elle m'avait manqué. En vrai. Allez, j'aimerais bien avoir au moins une abeille. Je crois qu'il m'en faut qu'une seule pour... construire une ruche. Ah, j'ai plus d'énergie. Allez, du miel. C'est pas comme si on était en train d'en récolter beaucoup trop. Une abeille. Il y a du... Il y a des baies que j'avais oubliées. Alors... Il faut 10 abeilles, 6 clous, 4 d'os. Abeilles, 6 clous, 4 d'os. Les clous, j'en ai largement. Quatre d'os, normalement, je les ai aussi largement. Et 10 abeilles. Je voulais mettre la foi ici. Voilà. Je me disais bien que j'en avais plus beaucoup ici. Pim, pim, pom, pom. Dormir. J'ai quoi sur moi? Sous-sol, ouais, c'est que des trucs que je peux poser au sous-sol. Peut-être me faire un peu de jus de baie aussi. Mais non, c'est que au sous-sol.
Alors le jus de baie, c'était où? Ça date beaucoup là. Il faut des pommes. Tant pis. Ah oui, et en plus d'aller au sous-sol, il faudra aussi que je gagne un peu de bleu pour être joaillier et que ce soit plus facile de faire le bouquin. Le bouquin niveau max. C'est les points verts qui t'énervent. Voilà, j'en ai 415 des points verts. En fait, si tu fais de l'agriculture, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Si tu plantes un peu toi-même, si tu cueilles, si tu... L'œil rouge, bon, faut faire un peu de sport, quoi. C'est pas compliqué. Mais les bleus, ah, t'en gagnes deux par-ci, trois par-là. Non, avant, juste avant. Mince. Bon, tant pis. Je sais plus que ça donne le jus de baie par rapport au baie. D'ailleurs, avant d'avoir tout utilisé, ça donne rien, mince. Alors que les pommes donnent 5, d'accord, et les baies, je crois que donnent 5, ça donne 5 aussi. Par contre, si je remonte des gelées vertes, je pourrais faire des... Bon, faut que je finisse ça. Déjà, plus d'énergie. Je pourrais faire de la gelée rouge, qui ça donne que de l'énergie. On s'en fiche. On s'en fiche. Je dois penser à essayer de faire les plats pour le marchand. Oui. Les plats. Comment dire? Bah, je les ai gardés à faire pendant un peu longtemps. Bah, un peu. J'ai dû les faire. Je crois que je les ai fait genre 20 épisodes après que. Peut-être 15 plutôt épisodes après que j'ai eu accès. Enfin, à cette mission. Du coup, 15 épisodes à plus. Entre 1h et 1h30 l'épisode. Ah, voilà quoi, j'ai mis 15-20 heures à faire finalement les dîners. Déjà, j'ai mis genre 3-4 épisodes à 3-4 heures à comprendre comment on faisait. Bon, j'ai pas trop cherché non plus, mais. La cire, faut que je la pose. Et ça aussi, et puis après, je peux aller au sous-sol. Mais la cire, je la mettais où? Ici. Ouais, bon. Pierre de TP. Ce qu'il faudrait que je me fasse du bleu. Non, je pense que le bleu, j'ai eu beaucoup de soucis avec à cause de... J'ai eu beaucoup de soucis parce qu'il me manquait de la foi. Non, on n'a pas fait le niveau 11. Pas jusqu'au bout. Si. Pire. Je déambule juste un peu.
Ouais, il me manquait beaucoup de fois au début et j'avais du mal à faire du bleu en fait aussi. Enfin, c'est un peu lié le bleu et la foi, et vu que j'avais beaucoup de mal à faire de la foi. Et vu que j'aime pas trop l'alchimie, là, tester des trucs aléatoirement. Je crois qu'une fois que j'aurai fini ou presque fini le jeu, je me prendrai le wiki et je ferai aller. Ah ouais, on peut faire tout ça quand même. Que je n'ai pas fait. Peut-être que j'en ferai un épisode après la fin. En mode, voilà tout ce qu'on peut faire, que je n'ai pas fait parce que j'avais la flemme de faire ces recherches-là moi-même. Peut-être que je le ferai pas en épisode, mais en... Ok. Ah, j'ai plus d'énergie. Miel. J'ai quoi d'autre sur moi? Beaucoup de choses, mais... Pas beaucoup à manger, je crois. Je pourrais prendre la bière à la place du miel, d'ailleurs. L'asticot pour se libérer un slot, ce qui est peut-être un peu con, j'aurais dû le garder comme ça je me libère le slot quand j'en ai besoin, en mode ah il y a des trucs qui restent par terre. Lui là, qui reste déjà par terre. Des clous. Assez d'énergie. Non, on va virer. J'sais pas trop quoi virer en fait. Au pire, je pourrais virer les asticots. Les croissants, faudrait que je me les mette dans la roulette en bas. Équiper. À la place de la bière même. Comme ça, je les utiliserai. Parce que si, vu que je ne les vois pas, je ne les utilise pas. On va virer les vrais clous. Des oignons dorés ou les lentilles, je crois qu'on peut pas les avoir en haute qualité. Oh, tant pis. Je ne le sais pas. Je m'en voudrais aussi de faire des choses que. Enfin, de virer des trucs alors pour rien. Aléatoire.
mais ça donne plein de poudre. Ça c'est en haut, ça c'est en haut, ça c'est ici, mais ça ne fonctionne pas. Ça c'est ici. Ça c'est là. Non, les chaiselles de chauve-souris. Et normalement c'est bon. Me faire un peu de toxique. Oh. Ah oui, ça donne quand même pas mal. Hein. Un croissant. Alors, tac, on repose ça. On va là-haut. On n'oublie pas en passant de déposer les clous ensanglantés. Voilà. En vrai, les clous ensanglantés, j'ai l'impression qu'ils servent vraiment à rien en tant que tel, et que du coup, je peux les. Je crois que c'est avec du sable, faire en sorte que ce soit des vrais clous, quoi. Pourquoi lui il fait pas ça? C'est là. Ah, il n'y a pas de. Ok. P et les dos. Slot de dos, ok. Et c'est bon. Alors, voir le marchand, ça me portera pas grand chose. Ce que je peux essayer de faire, c'est un petit peu de bleu. Il me faut quoi exactement? Joaillier, c'est où? Il faut 150 de bleu. Ah, il m'en faut 52. Au final, je reviens sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, les non-morts travaillent tellement bien que... Les non-morts travaillent tellement bien que j'ai été en manque de rouge aussi à un moment. Alors que le rouge, c'est pas non plus très compliqué quoi, à avoir. Donner de bleu. Le papier non plus, je crois qu'il me donne pas de bleu. On va dormir. Ah, je suis full énergie. Du coup, full énergie, autant que j'aille au sous-sol, je pense. Un dernier petit tour au sous-sol avant d'arrêter. Et si je peux faire du bleu, ça serait cool. Parce que sinon, je vais devoir aller chez l'astrologue. Limite, me TP chez moi pour faire le... Le bouquin. Et en plus j'aurais oublié que c'était que c'est aussi urgent. Ce que je voulais faire, oui ça. Déjà. Voilà. J'ai un peu de papier. Ça va pas donner de bleu. C'est
bien ce que je craignais. Ça, ça donne du bleu, non? Ouais, ça donne un peu de bleu. Avec l'argile, c'est facile d'avoir des points verts, finalement. Ah bah, tu vois. Les points verts, c'est la nature, mais peut-être pas aussi physique. Bon, du coup, je fais les points bleus au lieu de faire le... C'est pas grave. Alors, au lieu d'aller au sous-sol. Vous voyez, l'argile, j'avoue que j'en ai pas fait des masses. Enfin, j'aurais pu en faire plus, quoi, mais... J'ai fait ce qu'il fallait, quelques petites coupelles, quelques vases. Enfin, pas des vases. Si, c'est des vases. Oh non! Ça fait deux fois! La poudre rebelle là! Elle passe à travers le mur, donc je peux pas la bloquer comme ça. Voilà. Elle passe à travers, du coup elle s'enfuit. Dommage, j'ai perdu encore une poudre d'ordre. Oh, des livres fichus. J'avais fait les 4 premiers niveaux. J'ai fait les 4 niveaux. Quel quatrième niveau Lily Lira, là, je vois pas trop de quoi tu parles. Du donjon? Parce qu'il faut des PV. Il faut des PV. C'est bon. Ok, du donjon. D'accord, c'est déjà pas... Enfin, ça dépend à quel point t'en es, à quel endroit t'en es. J'ai envie de forcer comme ça, je sais, ça sera... Ça te fait... Au secours! Plus de vie. Dans les niveaux plus hauts, tu as des... T'as des étagères que tu peux ouvrir. Avec un peu d'inventaire dedans, là. Là... Ah, j'ai pas tué tous les ennemis. D'accord. Je pensais que je pouvais... y aller même si j'ai pas tué tous les ennemis. Et je pensais avoir tué tous les ennemis ici. Il y a un embranchement que j'ai pas fait gaffe, ça doit être celui-ci. Ok. Allez, viens là. Non!
Non. Bon, ben voilà. Ah, du coup, il a pu tout livrer. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc 5, je crois, vu qu'il y a celui qui est en main. On verra après. Les ailes, livres. Normalement, le zombie du bas devrait s'occuper des livres. Donc là, il n'y a pas de bouquin. Là, il y a un bouquin rouge. Après, j'ai plus besoin du bouquin rouge pour le moment, donc je vais le garder sur moi. Par contre, le gelé orange. Distiller, je pense. Pareil, la jolie noire. Oh, extrait de mort. Il faut que je l'analyse, vu que ça va me rapporter du bleu. Et oui, non, c'était bien là. Solution de mort. Ouais, j'ai ni beaucoup l'un ni beaucoup l'autre. Je suppose là-haut, ça c'est ici les toiles d'araignée. D'ailleurs, ça fait des poudres de ralentissement. Quoi d'autre? Ça peut faire des extraits, voilà, de ralentissement aussi. Poser le bouquin. Comme ça, il les mettra ici. Quelques chapitres. Je commence à avoir faim, moi. Ouais, c'est ça aussi. Si j'avais fait des chapitres au fur et à mesure, j'aurais eu plus de bleu. Au fur et à mesure, quoi. On va manger des croissants. Ouais, là, je retourne pas au sous-sol. L'objectif, c'est juste d'avoir les 150 de bleu. Et après, de faire le bouquin doré. D'ailleurs, je devrais manger le saumon ou quelque chose comme ça. J'ai pas fait gaffe si les 10% de chance avaient sonné et que j'avais eu une note dorée à la place d'argentée. Ah, bah justement, quand j'en parle. Donc j'en ai eu qu'une.
Sur 15, j'en ai eu qu'une. On va voir avec les notes de qualité bronze. Ça devrait aller un poil plus vite vu que j'ai pas besoin de remonter à chaque fois. Mais là, je suis quand même obligé de descendre d'un. Il n'y a pas de sable. J'ai pas de sable. J'ai plus de papier. Le sable pour décomposer le livre. Il faut du sable pour faire deux papiers propres. Avec un livre. Et lui... Bah pareil. J'ai déjà eu deux en argent par contre. Avec les bronzes. Oui, papier propre on a dit. Ah mais j'ai eu 173 de bleu. Donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est pas grave, on va finir comme ça, on aura fait toutes les histoires. En fait, le bleu, t'en as pas beaucoup à la fois. Genre là, je suis à 173. Je fais un chapitre, j'en ai 3. C'est ça. Mais 3, j'appelle ça pas beaucoup. Alors, acheter des plumes aussi. C'est bien. Au moins, je sais ce qu'il faut acheter. Celui-ci par contre. Il me refaut des plumes. 5. Au moins 5 plumes. Stylo et encre. L'encre, je suis moins sûr. Donc cette fois par contre, il y a 3 chapitres qui sont passés en argent alors qu'ils étaient censés être bronze. Moi ça me va. Et ce qu'on voulait faire déjà, avant d'oublier, j'aurais dû prendre un dernier croissant plutôt, vu que ouais bah je le ferai après. Non si, talent joaillier. Je veux pas le faire après parce que quand je vais dormir je veux arrêter l'épisode. Tac. Voilà, 90%. Parce que ça, le monter de niveau, c'était juste pas possible. Ça. Ah oui, il me faut deux fragments de bijoux, mais je crois que j'ai pas de lingots. Enfin, j'en ai un, mais pas deux. Du coup, vaut mieux partir comme ça. Et là, c'est correct, quoi. J'ai pas 20% de chance de faire un or, j'en ai 90. Et c'est réussi. Bon, avec 90% de chance, il vaut mieux. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6.
laisse celui d'en haut à droite. Ici on va faire ça. Ah j'ai oublié de poser. Tant pis. Les dos, il y en a ici. Les clous sont en bas. Ça c'est en bas. Et les cruches. Ah, j'en ai bien ici. Il me semblait bien que j'en avais quelques-unes. Du coup l'extrait toxique. Ces deux-là, je les pose au sous-sol. Oui, et le blanc, on le gagne avec... voilà. Je sais pourquoi je me focusais sur la foi pour le bleu, c'est parce que je voulais analyser des trucs qui rapportent du bleu, et du coup, j'avais pas de foi, et du coup, je pouvais pas analyser. Du coup, j'avais pas de bleu. Du coup, c'était problématique. Tac, tac. En vrai, là... Non, ici. Tac. Déplacer. Ouais, j'ai pas d'or. Hein. Genre là, si je voulais faire deux bijoux, je pouvais en faire qu'un pour avoir la bonne couverture. Qu'est-ce que tu peux faire avec le poids? C'est où? C'est où? C'est là. Voilà. Je devrais arrêter de les prendre un par un. Une recette, je sais pas où elle est. Je pourrais faire la distillation 2. Ouais, je verrai pour la prochaine fois les 50 de bleu. Je pourrais prendre les vitraux, tout ça. J'aimerais bien essayer d'améliorer la cathédrale au maximum. Le cimetière, non, parce qu'il faut... Il y a trop de cadavres et tout, c'est trop... Beaucoup trop. Il y a des schémas de lanterne ici. Enfin, ça quand même prendre, mais la suite pas vraiment. Et tout ça là-haut. Et ça en vrai j'ai envie d'y débloquer juste pour savoir ce qui se passe, mais j'ai la flemme de le faire, donc le faire et l'utiliser. Donc c'est pas très utile et je me concentre forcément sur autre chose. Bon là j'attends. Oui, je voulais voir ça. Je sais plus. Je sais que ça m'augmente mon énergie très peu, mais je sais plus si ça m'a enlevé mon état fatigué, je perds de l'énergie par défaut, c'est ça que je voulais voir. Mais je vois pas trop l'intérêt de méditer en fait, en général, dans le jeu.
Ouais. Tiens, je sais ce qu'on peut faire. Je sais ce qu'on peut faire en y allant plus ou moins. On va récolter un petit peu des matières premières pour faire de l'alcool. Même si je devrais me concentrer sur comment on fait des engrais, tout ça. Regarde le nombre de verres que tu récoltes en un par un, mais... Tu mets de l'engrais, tu remets les graines et paf, t'as un de verre assuré à chaque fois. Bon. Non. Tout ça. Ça va plus ou moins chez moi. Je vais quand même aller voir directement l'astrologue au réveil. Parce que j'ai déjà eu le coup de. Ouais, je rentre chez moi, je pose les graines, je pose le. Les déchets agricoles, tout ça. Puis après, ah mince, c'est déjà midi, le temps d'aller au phare. C'est compliqué. Une pièce d'or, 50 pièces d'argent. On a dit qu'il fallait acheter 5 plumes. Et après, c'était par groupe de 3 pour chacun des tubes d'encre que je prenais en rab. Donc on va en racheter juste 3 en plus. Donc 5, 6, 7, 8, c'est bien. Voilà. J'aurais pu directement les acheter à l'astrologue d'ailleurs. C'est pas grave. Je vous ai écrit un livre. Voilà le livre. Oh, ça m'a l'air très bien. Nous allons rapidement pouvoir monter cette expédition. Histoire en or. Commercer. J'ai dit que je prenais... Moi, je vais en prendre 2. Parce que je sais que... Je crois que c'est l'imprimerie où tu as best-seller. Oh, succès. C'est l'imprimerie où tu as besoin des... de l'encre sans stylo. Donnez un livre étoilé à l'astrologue. Vous devriez essayer d'en écrire 6 autres. 6. Ça en fera 7 dorés. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein, mais ça fait beaucoup. Je suis plus riche que l'astrologue. Pas de beaucoup, mais je suis plus riche. Alors, je lui ai donné pas mal de thunes. Non, si, oui, je lui ai donné pas mal de thunes vu que j'achète des livres bleus. Mais acheter un chapitre comme ça, ça me sert pas à grand chose. En fait, c'est ça, c'est si jamais je mettais le zombie, au lieu de faire des livres aléatoires, il me faisait des histoires, je pourrais me faire mon bleu tout seul. Du coup, je vais peut-être changer l'orientation du zombie. Ou en mettre un. Lui donner un voisin, je sais pas trop, mais je pense changer l'orientation, c'est pas mal. Terminer l'offre. Et là, il est plus riche que moi de 2 pièces d'argent. Ah, il n'y a pas le le pêcheur, il est pas ici. Juste quand j'en parle. Du coup, on rentre. Faudra le retourner le voir la semaine prochaine. Mmh.
Il me semblait que j'avais vu des... Des images sur le Twitter des développeurs au début du jeu. Tiens, le pirate de foyer, je pourrais en acheter une deuxième. Très pratique, j'aurais dû l'utiliser beaucoup plus tôt. Avec le Dead Horse, là, la taverne qui s'était améliorée, tout ça. Il me semble. Je vais passer par l'extérieur pour poser les déchets agricoles. Quoi ? Oh, j'hésite à les vendre, les déchets agricoles. Ça me rapporte pas des masses, mais je peux les vendre. Mais je me suis rappelé que j'avais pas... Enfin, maintenant ça commence à s'accumuler, mais... Il y a pas si longtemps que ça, j'avais pas beaucoup de... De tourbe. Je pense que ça s'accumule, mais ça disparaît à cause de ce zombie-là qui travaille tout seul, sans relâche. D'ailleurs... Et ça, tout ça au sous-sol. Tout ça, tout va aussi au sous-sol. Tout. Absolument tout. Absolument tout. Si je voulais voir ça, est-ce que... C'est du sable qu'il fallait que je ramène. Je vais ramener un peu de sable et je vais vous quitter là-dessus. Oui, sauf que vous travaillez pas là, messieurs les zombies, messieurs dames. De toute façon, une fois que je vous ai retiré le sang, la graisse, je suis pas sûr que je doive vous appeler messieurs dames. Pas enlever les organes génitaux, quand même. Bref. Ouais, le sable aussi, ça rapporte du verre, regarde. Bidibim. Ça fait beaucoup, ça, non? Bon, c'est pas grave. Ça m'embête de venir chercher du sable à chaque fois, donc... tout prendre d'un coup. Oui, je l'avais bien construite. Alors lui, il fait ses allers-retours avec son sac de bûches remplies. Alors, comment on va faire? Poser 70 du coup, et je vais le garder. Un slot de 50, c'est peut-être pas bien. C'est pas grave. Dans le sens où j'ai pas besoin d'un slot complet. Un petit peu.
peu de l'ordre dans lequel tu fais, tu es lent dans tous les cas. Ça non. Le sable de rivière. C'est intéressant. Où est-ce que je l'ai posé? Ou alors j'étais à zéro. Ouais, j'étais à zéro, ok. Du coup, l'extrait, les raisins, tout ça, raisins, houblon, et on se quittera là-dessus. Ah, j'ai oublié les plumes. Évidemment, un petit aller-retour. Cadeau. Bonus. D'ailleurs, ça, c'était pas... Ça se stack pas à plus que deux, c'est ça? Non, c'est juste que j'avais même pas essayé. Et voilà. Là, j'ai vraiment plus rien sur moi. Et donc, sur ce, je m'arrête là. J'espère que cet épisode de Graveyard Keeper sera comme tous les autres et vous aura plu, à peu près autant. J'espère que vous continuerez du coup à regarder. Et je vous dis à très vite.